Salut à tous les amis, c'est Arkel. On se retrouve pour la farfouille du vide-grenier multiculturel. Pas à l'épisode 12, je crois. 12, je sais plus. Et aujourd'hui, je vais vous concocter quelques trouvailles que j'ai eu, pu des. Des trouvailles dans des vide-greniers, quelques petites vide-greniers par-ci par-là, mais malheureusement je suis pas allé là-bas en filmant parce que y a, comme d'habitude et toujours, bah il y avait interdiction de filmer. Voilà, il y en a des endroits où on peut, il y en a des endroits où on peut pas. Malheureusement c'est comme ça, à moins que on peut se filmer comme ça, mais malheureusement ils vont prendre le téléphone et clac par terre et casser. Bref, je préfère pas le filmer. Et là je vous ai concocté beaucoup de choses. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 articles que j'ai en ma disposition. Bref, vous êtes prêts? C'est parti. Commençons avec les livres. Alors, du côté des livres culturels, histoire, on va passer à l'époque romaine. Les livres sur les clés de la les clés de la connaissance du niveau histoire, Empire des Romains. J'avais l'Égypte, il me manquait celui-là. Et je crois qu'il y a aussi les Perses, je crois, et les Grecs, même les Celtes, Gaulois, je sais plus trop. Et voilà, malheureusement je ne l'ai pas lu. Même les autres aussi que j'ai là. Je les ai pas lus. Donc voilà. Je regarde pas, voilà. Pas envie de me spoil. Hein. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Bon, voilà. Ensuite, commençons par de la BD avec les Simpsons camping en délire. Simpson, qu'empire en délire. Voilà. Malheureusement, on voit le petit retour de la caméra qui reflète, c'est un petit peu moche. Écoutez, je n'y peux rien. Voilà. Vous montre, moi je ferme les yeux parce que j'ai pas envie de me faire spoil. Voilà. J'ai le livre et j'ai pas envie de me faire spoil. Et on a le numéro 1, je l'avais pas vu lui. Le tome 1. Ensuite, on a. J'ai 3 BD de chez Astérix. On va faire dans l'ordre. Astérix le Gaulois, le premier. Hein. Le premier là. Astérix le Gaulois, que j'ai vu quelques pages. Voilà, je sais pas si vous avez vu quelque chose, mais moi j'ai rien vu du tout. Alors ensuite on a Astérix, le tour de la Gaule d'Astérix. Voilà, cinquième chapitre. Ouais. Voilà, avec le même ici.
Voilà. Le combat des chefs. Le combat des chefs. Astérix. Chapitre 7. Voilà. Excusez-moi. Ah, j'arrête pas de bâiller. En même temps, on est le soir. Ensuite, on a un livre très important, Le Code de la route. Très important. Code de la route du côté voiture. Code de la route avec tous les panneaux, tout ça. Ouais, je fais. Ah. Truc intéressant, s'il n'y a pas de truc intéressant. Ça, on va ici, voilà. Il y a un digicode, je crois, c'est ça. Je sais pas comment on le prend, si y en a qui arrivent à le prendre, je mets le digicode. S'il y en a qui ont envie de capturer. Voilà. Bref, voilà. Ensuite, One Piece chapitre 16 avec Chopper, le médecin. Oui, je sais, ça date les One Piece comme ça, vieux de ces chapitres-là. Mais écoutez, moi, je veux d'abord faire tout début. Ensuite, One Piece et dans les îles Homme-Poisson. Donc, chapitre 26, non, 20, 22, pardon. Voilà. D'ailleurs, il y a encore je sais plus comment ça, le prix, voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Il y en a qui aimeraient pas être spoil. Ensuite, on a que deux jeux que j'ai trouvé. On a un jeu de PC qui est COP 2170, The Power of Land, qui est un petit peu la même chose, on dirait vraiment la même chose que Overwatch, je crois que c'est ça. Overwatch. Ils ont un petit peu les mêmes armures, un petit peu. Voilà, c'est complet. Ensuite, Medal of Honor Airborne. Ouais. Un Call of Duty des anciens. Je préfère la Medal of Honor que les Call of Duty. Enfin, un tout petit peu les Call of Duty, mais je préfère bien les Medal of Honor parce que là, ça date vraiment. Voilà, c'est complet. Maintenant, on va passer aux figurines. Des petits trucs que j'ai trouvé qui va faire office de décoration, même de déco au niveau du studio que j'ai. Malheureusement, ça sera pas de derrière, ce sera plutôt de ici ou même d'à côté. Parce que là, j'ai plein de. Faut pas que je. Voilà, comme ça, ici.
J'espère que vous vous avez pas vu. J'espère bien que vous n'avez pas vu. Alors, on a un joli camion lourd Subaru Rally Team France. Voilà. Un bon camion, un beau camion. Voilà. Et la marque, il a été fabriqué où? En Chine. Bah à peu près presque tous les choses qui viennent de là-bas. Ensuite, on a une voiture de collection de la marque Ferrari, une Ferrari 207. Non, je déconne, je sais pas du tout. Une Ferrari MI60265. Voilà. Avec quand on ouvre le capot, voilà. Je sais pas si vous voyez. S'il y en a qui sont professionnels des voitures de collection, j'en ai que trois ici. J'en ai une qui vient de jeu de se mettre. Voilà. On a les portes qui s'ouvrent aussi. Hein. Ah, le bon bruit. Et il a été créé, construit en Chine, comme l'autre. Ensuite, Tupi Beyblade, avec, je sais plus c'est qui lui, dans Beyblade, la saison 2. Hein. Tempo, je crois, c'est... Je sais plus. Non, c'est pas Tempo. Et ensuite, on a celui-là. C'est. Je sais pas du tout. C'est de quel Beyblade. Voilà. Il y a un petit peu un truc de rhinocéros. Je sais pas du tout. Je connais pas trop ça. Je connais les Beyblade avec le symbole au milieu, mais. Ça du tout. Non, pas du tout. Ensuite, j'en voulais parce que j'avais pas de jumelles. Du coup, j'ai trouvé une loupe qui est en même temps qui vient de chez Tintin. Et Tintin, là, c'est aussi un truc de mon enfance. Tintin. Avec Tintin Milou. Voilà. Avec ça, on peut voir de loin. Enfin, pas de loin, mais on peut voir. Hein. Et ça a été créé en Chine. Made in Chine. Ouais. On a deux choses. On a la Loire-Atlantique, là où je vis actuellement. La Loire Atlantique, les pays de la Loire, et c'est le grand territoire. Voilà. Pays de la Loire. Un gobelet de collection qui va aller avec les autres. Les autres qui sont là-bas. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas. Et le dernier, on a. Moi j'adore, mais malheureusement ils ont arrêté. Hein, ils ont terminé la saison. Ils ont carrément arrêté la série. Qui était, je trouve, la meilleure série de tous les temps. En tout cas pour moi. Et ce dessin animé, My Little Pony.
Et en fait, le propriétaire, il a enlevé les. Il, une plus de Twilight. Malheureusement, le proprio, bah, et malheureusement, il a coupé les poils. Du coup, il les a aussi. Du coup, ça fait un petit peu un Twilight licorne. Sans touffe. C'est dommage qu'ils ont arrêté. Et même ceux qui suivent aussi My Little Pony française, la saison 9, ils ont pas la version française. Faudrait qu'ils mettent la version française. Mais malheureusement, ils ont dit que ça a été détenu par TF1, tout ça. Peut-être leur demander à TF1 de passer les titres françaises ou même les voix françaises au MLF françaises, LMP françaises, Little Pony en les sites françaises, français, ouais. Et ensuite, on pourra enfin visionner ce dessin animé jusqu'à la fin. Parce que là, on attend. Là, je veux pas regarder aucune vidéo de la saison 9. Pas avant d'avoir. Pour moi, ça se terminera pas quand. Je veux dire. Je regarderai les vidéos de My Little Pony quand ce sera française. Bref, voilà, c'était. Bref, c'est tout. Ce sera tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis bye bye. C'était Arcace. Salut. Abonnez-vous.